Bonjour tout le monde. Je vous remercie beaucoup d'être venu à cette célébration. Je demande votre attention. Alors, mesdames et messieurs, je vous prierai d'accueillir la personne et sur sa toune, en l'honneur des prisonniers kabyles, le président, M. Ferhat Mehni. Mon nom, c'est Étienne Beaulieu. Pour la célébration, je vais être assisté de Phoebe Laplante, une militante. Moi, je tiens à saluer, exprimer toute ma solidarité avec le peuple kabyle, avec tous ses ressortissants, tous nos compatriotes québécois aussi d'origine kabyle. Je pense que la Kabylie vit une situation qui est similaire à celle du Québec dans la mesure où les Kabyles sont obligés de se battre pour défendre leur langue, pour défendre leur culture. C'est beaucoup plus difficile qu'au Québec parce que, bon, c'est une répression policière, armée. Étienne tantôt parlait du feu dans son appartement, mais je pense que les Kabyles subissent beaucoup d'incendies dans les forêts, etc., comme moyen de répression. Alors, c'est sûr, la pétition, on l'a vu, on a vu la réponse. Au moins, ça a obligé le gouvernement canadien de se pencher sur la situation, de répondre. On aurait aimé qu'il fasse un peu comme les États-Unis qui ont déclaré que le MAC n'est pas une organisation terroriste. À chaque fois que je viens dans un événement organisé avec la communauté kabyle, ça me rassure. Vous me faites du bien. Vous me réchauffez le cœur de mon engagement, le cœur de ce que je suis. Tantôt, je vous entendais chanter votre hymne avec ferveur. Là. Je sentais toute la ce que je partage, ce que j'aime, ce que je ressens face à mon peuple, le désir simple. Hein? C'est un désir simple. Ce qu'on veut, c'est pas compliqué. On veut juste être nous-mêmes partout, tout le temps, puis qu'on ait un État qui représente nos valeurs puis nos intérêts, comme tous les peuples du monde. Tous les peuples normaux veulent revaloriser leur culture, veulent revaloriser leur langue, puis veulent un État qui va en faire la promotion. C'est la chose la plus simple, la plus belle, la plus normale au monde. Fait que nous, là, vraiment, on est derrière vous. Moi, à chaque fois que je vous vois, c'est pas moi qui vous rends service en étant ici, c'est vous autres qui me rendez service, moi, en étant ce que vous êtes, en étant ici, autant engagé, autant ce que vous êtes, puis que vous continuez, s'il vous plaît. Continuez votre combat. Nous, on va toujours être là. C'est les peuples du monde opprimé qui se tiennent la main, qui avancent vers leur indépendance, vers la liberté. Continuons le combat. Merci d'être là. En tant que membre du comité souverainiste de l'UQAM, en tant qu'ancienne candidate du Parti québécois dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, une circonscription historiquement souverainiste qui s'étend de Rachel jusqu'au fleuve Saint-Laurent, de Saint-Laurent à Frontenac. On voit qu'il y a une belle circonscription qui est là. Et ben moi, j'ai envie d'affirmer l'amour que j'ai pour ma nation. Puis surtout, je dirais, l'amour que j'ai pour moi aussi, fondamentalement. Parce que l'indépendance, ça passe d'abord et avant tout par un amour qu'on porte à soi-même. Que l'on soit Québécois, Écossais, Irlandais, Catalan ou bien Kabyle, nous savons qu'il faut apprécier notre différence. Nous nous devons de nous montrer distincts dans notre affirmation de soi pour aspirer à être reconnus aux yeux du reste du monde, lors de nos combats acharnés dans cette quête de liberté. Parce que c'est beau, la différence. C'est magnifique. Monsieur Mehni est un homme qui a su affirmer sa différence, malgré les sacrifices que cela a bien pu lui coûter. Parce que c'est dans l'autodétermination que nous avons, si je peux citer le grand Pierre Bourgault, un peu moins de sécurité pour plus de liberté. Je vais vous lire la lettre de Mme Sylvie Moreau. Dit « Monsieur le Président, malheureusement, je ne peux pas être présente aujourd'hui avec vous pour applaudir à votre remise de prix. Cependant, je tenais à vous en féliciter. Du Québec, je suis votre lutte avec intérêt. La Kabylie est la nation sœur du Québec.
Même combat, mais certes moins violent ici. Tous vos gestes et vos paroles sont empreintes de détermination, d'un goût de justice et d'équité pour votre peuple. Pour atteindre votre but, vous avez choisi la non-violence et la démocratie, et je ne peux que saluer ces choix. C'est difficile de se battre contre l'establishment puis les choses qui sont déjà en place. Mais quand on est convaincu avec notre cœur, avec nos tripes, quand on voit nos enfants que notre cause est juste, on trouve toujours l'énergie pour continuer d'avancer. Je suis ravi d'assister aujourd'hui à cette cérémonie de remise du prix Independentium à notre président, M. Farhat Mahni, par le CERAN UQAM. Merci au CERAN UQAM pour cette initiative et merci à notre président Farhat Mahni de nous avoir gratifié de sa présence. Un prix qui revêt une forte symbolique, en ce sens qu'il montre la reconnaissance en dehors des frontières de la Kabylie du combat d'un homme. Monsieur Farhat Mahni, pour l'émancipation totale de son peuple, l'indépendance de la Kabylie. Une émancipation qui est inscrite dans les gènes kabyles et que tout le monde attend. C'est les trois symboles. Autrement dit, ce qu'on voit ici au milieu, c'est une colonne grecque, les symboles de la démocratie grecque, la flamme olympique, le flambeau olympique. Le terme indépendentium, ça met ensemble une cause qui nous tient à cœur au Québec, l'indépendance, et une terminaison grecque, ce soit le tium. C'est une fleur de lys avec deux branches de laurier pour couronner le travail des personnes exceptionnelles. Puis ça rappelle aussi la couronne de laurier pour les Olympiques, le travail, la détermination, puis toutes les valeurs olympiques. C'est le harfang des neiges ici avec la demi-lune, ça montre également une fleur de lys. Le harfang est en position d'atterrissage, la demi-lune est en changement de cycle, donc ça montre une situation qui se termine et la naissance d'un nouvel événement, exemple la création d'un État. Ça rappelle également le cercle des Premières Nations, autrement dit l'hiver, l'été, l'automne et le printemps. Donc, les deux branches qui pointent vers l'automne et le printemps, l'hiver avec le harfang. Ça représente également le yin et le yang. Donc, le yin est dans le yang et vice-versa. Donc, le harfang est en mouvement alors que la colonne indépendentium est statique. La flamme émet sa lumière alors que la lune est le reflet de la lumière. La flamme est immatérielle alors que la lune est matérielle. C'est les ailes du harfang qui supportent le corps central, alors qu'ici, c'est la colonne centrale qui supporte les deux branches de laurier. Il y a trois références, donc trois colonnes grecques, trois fleurs de lys et trois sources lumineuses, les trois dans un carré, trois au carré, trois fois trois, ça fait neuf. Donc, il y a neuf références au symbole. Je pourrais continuer encore, mais j'y vais à... Je veux qu'on puisse enchaîner. Mais bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur le Président Mahni. Mon ami Farhat, ça fait quelques années qu'on ne s'était vu. Bien content de se revoir aujourd'hui. Vous savez, j'ai été en Algérie dans les années 60, quelques années après les accords d'Évian en 62 qui mettaient fin à la guerre d'Algérie. Et les Kabyles ont combattu pour mettre fin à la domination française. Ont été de tous les combats. Et dans les années 60, quand j'y étais, il y avait un vent de liberté. Tous les espoirs étaient permis. Cependant, il y a des extrémistes qui ont pris le pouvoir et qui ont tué ces espoirs en Algérie. Et j'ai rencontré quelques années plus tard, dans mon bureau à Ottawa, le président Bouteflika. On était seul à seul.
et je lui ai parlé du peuple kabyle. Il m'a dit que ça n'existait pas. Il s'est fâché. Il bondissait sur place, là. Je lui ai dit de se calmer. Je prenais ça calmement. Donc, des extrémistes qui ont pris le pouvoir et qui ont refusé de reconnaître la réalité et de respecter la volonté du peuple kabyle. Et je pense que c'est un prix bien mérité aujourd'hui à un homme qui est tenace. Il était emprisonné à plusieurs reprises, mais il poursuit la lutte, et il faut poursuivre la lutte pour qu'un jour, la Kabylie, le Québec, l'Écosse, la Catalogne puissent être présents à ce qu'on appelle l'ONU. Je dis bien ce qu'on appelle l'ONU parce que je pense que c'est une mauvaise appellation. Il y a une confusion dans les termes anglais entre « nation »,« people » and « country ». Ça devrait être plutôt les pays unis. Parce qu'à l'ONU, il y a bien des nations qui ne sont pas là. La nation québécoise n'est pas là. La nation catalogne n'est pas là. La nation écossaise n'est pas là. La nation kabyle n'est pas là. La nation ouïghour n'est pas là. Toutes les premières nations du monde ne sont pas à l'ONU. Donc, on devrait appeler ça l'Organisation des pays unis. Et il faut lutter, d'une part, pour que la Kabylie et le Québec fassent partie un jour de l'Organisation des pays unis, et que cette organisation reconnaisse l'existence des nations qui ne sont pas des pays, et certaines voudraient devenir des pays. Pas toutes, mais certaines voudraient devenir des pays. Donc, c'est un prix bien mérité à un homme qui poursuit le combat et qui nous donne l'exemple, qui nous inspire à poursuivre notre combat, qui est le même combat que les Kabyles, un combat pour la liberté. Bravo donc! Et je vous invite à revenir recevoir. Je ne vous parlerai pas de tous les symboles, il y en a plusieurs. Mes amis, Azul Flaouen, des Tazouarans à Wels Kbaylit. Taqbaylit tutlayt-nneɣ d yiwen seg igerrujen i d-newwi i talsa si tama-nneɣ. Tuklal ad tili deg umaḍal akken ma yella. Merci pour cette distinction que vous faites, pour ce prix que le CERN et l'Université Québec à Montréal m'ont attribué avec le président Puigdemont. La création du prix Independentium est en soi un immense progrès sur la voie d'un monde apaisé et solidaire. Puisse-t-il sensibiliser suffisamment l'humanité sur les injustices faites aux peuples minorés et oppressés, aux peuples dominés et colonisés. En le décernant aux femmes et aux hommes qui se battent pacifiquement pour la liberté de leur peuple, il devient lanceur d'alerte en direction de l'opinion internationale sur les risques de drames, de génocide et de déstabilisation régionale aux conséquences incalculables. Mesdames et messieurs. Ben, monsieur Meny, c'est vraiment un exemple pour tous ceux qui se battent pour l'autodétermination, pour leur langue, pour leur indépendance. Alors moi, je tiens à saluer Ferhat Meny, le féliciter pour son prix. C'est un,
C'est un homme qui a passé à travers une série d'épreuves incroyables, qui continue toujours à faire la lutte de façon pacifique pour son pays. Merci. Tous les grands mouvements ont besoin de leaders, puis c'est important d'avoir des gens qui nous guident, qui nous montrent par l'exemple, dans la constance, dans la persévérance, toujours continuer à se battre pour ses idées, ses valeurs, puis c'est ce qu'il incarne. Merci beaucoup, puis on a besoin de lumière pour nous guider. Merci. Bien, écoutez, pour M. Meigny, c'est un exemple de rassemblement. C'est un rassembleur, il transmet énormément d'amour pour la Kabylie, pour le Québec, puis on a besoin de gens inspirants comme ça pour pouvoir continuer le combat en termes d'autodétermination, que ce soit au niveau du Québec, de la Kabylie. On doit rester fort, soudés, puis M. Meigny est là pour montrer l'exemple. Merci. Écoutez, très content d'avoir été là aujourd'hui pour assister à la remise du prix Indépendantium à M. Meigny, qui est engagé dans la cause de l'indépendance de la Kabylie. Puis d'avoir senti aujourd'hui aussi toute la ferveur, l'engagement de la communauté ici, la communauté kabyle du Québec, de Montréal, en fait, engagée dans cette cause-là, qui est la mienne aussi, hein? L'indépendance des peuples, la reconnaissance de la différence. C'est un combat que mènent beaucoup de gens dans le monde. Puis je suis fier d'être à côté de la communauté kabyle aujourd'hui pour les appuyer dans cette cause-là. Merci. Bonne journée. نخدم ما يمن زمار يوكن تموس قبيليس التغزاليس ذوق مظال ويدي غدي عاونا ويدي فكان تايت تشبح تخدم دايا تنمير دايرا زنا سيد ماشي دقيمة ديفو ما اللي غاكا تموس قبيليتي يران هكا تموس قبيليتي يسمغرن تموس قبيليس يقبغان اتسيوز الشان نو منوغيس غاف سلليو غاف سلويس غاف يزرتن بومدان هاد الجناس اكن ملان دونك داراز نتمول تقبيليس بغرفة قبيليو ماشي داراز كيو نومدان تنمير